Inès34 et aujourd'hui Métino, on se retrouve pour une vidéo sur le challenge ours. Et là vous êtes genre un petit peu perplexe, n'est-ce pas? J'ai des problèmes de connexion, je ne peux pas live actuellement. Et comme j'ai très envie de finir rapidement ce let's play, parce que je vais pas vous le cacher, ça fait un petit moment qu'on est dessus. Et là j'ai envie de passer un petit peu à autre chose. Je me suis dit que bah voilà, le temps que ma connexion redevienne ce qu'elle était, hein, dans sa folle jeunesse on va dire, je me suis dit que j'allais tourner tout simplement une heure, hein, comme pour un temps de live, mais je vais couper les parties non intéressantes, hein, voilà, pour vous garder les meilleures parties, comme en fait je fais pour mon let's play enfant star, hein. Si jamais vous l'avez pas vu, bon bah allez-y, quittez cette vidéo pour voir les anciens, mais en gros ça va être un peu du condensé comme Inès a fait, sauf que bah là ce sera, au lieu que ce soit un live sur Twitch, bah c'est une vidéo pour ne pas vous laisser sans rien le lundi. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez voir que j'ai essayé quelque chose de différent sur mes yeux avec les nouvelles palettes que j'ai reçues pour Noël? Je sais pas trop si ça me va, je suis encore un peu perplexe, mais c'est un autre débat. Notre challenge ours qui était avec le petit Bambinos, qui s'appelait Coda, je crois. J'ai un souvenir qui s'appelait Coda, cet enfant. Je pense qu'il ne va pas tarder d'ailleurs à vieillir. On était plus ou moins bien avancés, c'est-à-dire que en termes de compétences, herboristerie, on était à 0. Jardinage, je crois qu'on était à 7. Bricolage, on devait être à 6. Pêche, on devait être à 7 ou 8. Bref, on commence à voir certaines choses. Là, maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on améliore nos collections de poissons et de grenouilles. Même si ça, certains m'ont dit que c'était ceux qui les avaient fait rater le challenge et que ça allait être très compliqué. Donc au pire, ça, on le considérera comme un bonus. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est améliorer notre petite compétence. Alors, qui es-tu, toi? Tu t'appelles bien Coda, on était avec Pandy et on était avec Booba. C'est vrai qu'on avait choisi les meilleurs noms de la Terre. Alors, herboristerie, on est quand même au niveau 2. Oui, c'est vrai, en fait, elle avait lu des livres. Donc, on est quand même au niveau 2. Jardinage, on est au niveau 7. On a la moitié du truc. Hein, enfin, de la compétence. Notre papou, niveau 8 en pêche. Et bricolage, niveau 6. Oh, je pensais qu'on était un peu mieux en bricolage. Je vais pas vous cacher. Notre petit enfant, quand vieillit-il? Ah, mais il vieillit demain, a priori. Yes. Oula, punaise, ça fait des bêtises là. Je sais pas qui fait du caca comme ça, mais j'en fais. Qu'est-ce qu'il sait pas? Il m'énerve. Mais oh, pourquoi le petit dort pas là? Fais dodo, Bobby. C'est la journée de l'amour. Bon, on n'a pas le temps pour l'amour. Hein. Bon, bah t'as fait là, hein. Dis donc. Ouh. Lui, il pue la mer. Il pue la mer, non? Il pue le caca plutôt. Il pue la maman. Ou il pue l'océan, c'est toi qui vois. Il pue tout le temps, celui-là, il me gave, hein. Ah, c'est vrai qu'on avait une petite plante vache. C'est dommage que les trucs sauvages, on peut pas les faire évoluer. Je trouve ça un peu bête, ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais je pense que ça aurait mérité. J'ai vu un truc qui brise, ça sentit. Ça sentit. Y'a pas de place. Mazette. Oh, mais c'est pas vrai. Mais arrête. Rox, arrête de tout rouler partout. Mais y a un peu plus de ce chien, enfin de ce renard. Il arrête pas de faire des conneries. Salut Guillaume, notre entente n'a pas toujours été parfaite, mais on pourrait peut-être transformer cela en amitié. J'aime pas les humains, ok? Nous on est pro-ours, ok? Les humains, barrez-vous, les humains, barrez-vous. Qu'est-ce qu'il devient notre enfant là en fait? Il fait dodo. Je vais dire il est mort, mais non, non, du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Non, tu parles. Oh punaise, il l'a réveillé. Oh la bitchise. Oh, je vais le taper. Je vais me le faire, les gars, je vais me le faire. Retenez-moi. Pandy a élevé une grenouille. Super, j'espère qu'elle nous rapporte 10 balles. Ok, c'est bon. Je vais me coucher. Enfin, c'est ça, ton gars. Mais oh, mais il est pénible celui-là. Je vous. Oh frère. J'ai des envies de meurtre. Tu arrêtes de faire ça. Je vais le laver là parce qu'il pue. Il pue, c'est affreux. Mais pourquoi cet animal n'est-il pas en train d'être lavé? Je vous jure que je vais péter un boulon. Et peut-être que toi, tu vas réussir à faire prendre un bain à Rox. On a le droit de rêver. Hé, est-ce que tu veux te laver? Non, absolument pas. Yes, on a fini de faire un ours. Cool. Et yes, il a réussi à prendre son bain, lui. Est-ce qu'elle est belle? Elle passe pas, surtout. Dame Ned. Ah, l'agencement n'est pas foufou, ma foi. On va avoir des tabourets partout. Hop, on est à 4000. Ça va, on gère. Hein.
Fabriquer un lab, tabou, siège de salle à manger. Bah oui, du coup, maintenant, il nous faut des sièges de salle à manger. Maman, elle est toujours sur la douche. Mais Mazette, ma chérie, qu'est-ce que tu fais avec ta douche? Tu fais l'épilation aussi ou quoi? Je pense que c'est un ours, ça prend du temps. Hein. Péter. Oh, putain de merde. Oh, il est lavé, il va puer la mort. Je vous jure, j'en peux plus. J'en peux plus, j'ai envie de pleurer avec lui. Arrête! Arrête, s'il te plaît. Il est dans le oubli. Arrête. Ah, on a trois chaises. Je lui ai demandé d'en faire quatre, je crois, mais c'est pas grave. Bon, bah, de toute façon, elle passe pas. Ma maison, elle ressemble à rien. Des choses qui arrivent, ok? Ne jugez pas. Hop. Voilà, comme ça, elle va passer en plus sa petite aspiration. Nickel chrome, ça c'est fait. Oh! Fuck, j'ai perdu un citron. Non, le citronné, ça rapporte masse en plus, je suis deg. Elle est claquée, la peau. Je suis vraiment un monstre. Bon, quand je vois comment Inès gère ses sims, je me dis que je suis pas tant un monstre que ça. Mais yes, c'est bon, tu peux aller te coucher. Mais il pue encore, j'en peux plus. Le jour de férié était horrible. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Eh, je vous jure, j'en peux plus. Qui veut un renard? Je cède un renard, voilà, si vous en avez marre, hein, n'hésitez pas. Je fais que des conneries. Il m'épuise. Mais arrête, poussin, j'ai envie de dire. Bah ouais, maintenant t'as envie. Maintenant, en plus, regardez ça. Et maintenant je pue, je peux avoir un bain. Bah non, t'auras pas d'un bain parce qu'on t'a lavé aujourd'hui. Et voilà comment tu nous remercies, va. Mais il peut. Eh, mais c'est la fête ou quoi, là? Il renverse les poubelles, il saute sur le plantain. Oh là 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 là, moi j'ai pas... Eh, moi j'ai pas signé pour ça, les gars. Hein. Bon, petit, où est-ce qu'il grandit, lui? Dis-moi, petit, grandit. Yes, il grandit aujourd'hui. Par contre, on n'a pas de four, donc on pourra pas te faire un cadeau. Enfin, un cadeau. Non, mais un gâteau, on pourra pas t'en faire un. Désolé. Oui, on s'en va, t'es pas content. Hein. Moi non plus, je suis pas content, hein. Mais oh punaise. Et je vous jure, je vais le démonter, lui. Retenez-moi, les gars, parce que je vous jure, il y en a un, il va voler par la fenêtre. Mais regardez, il y a trois trucs pour sermonner, c'est une blague ou quoi? Comment ça se passe? Là, il a pas appris à monter sur les pantrailles, mais il apprend, mais il désapprend tout aussi vite, hein. Puis l'autre, il pue. Oh! Oh! Il est en train de vieillir! Il pue, mais peut-être qu'il sera vieux, il sera moins chiant. Papa, regarde, il vieillit! Tant mieux, il cassera moins les bobours. Bon, c'est bientôt l'anniversaire de Koda. Oui, oh, vous inquiétez pas, il va grandir tout seul dans son coin. Parce qu'on est des gens indignes. En fait, c'est juste un enfant qui parle pas. Communication, il est même pas au niveau. Il est même pas au niveau 2. Par contre, le reste, ça va. 2, le pot, je pense que c'est bon. Réflexion, ça va être bon. Il marche beaucoup, cet enfant. Tu me diras, c'est normal, hein, mais. En fait, tout va bien. Sauf qu'il sait pas parler. Niveau 2, ça y est, notre enfant sait parler. Good. Et herboristerie, bah, toujours bloqué aussi. Je vais voir déjà si herboristerie, si je mets un barbecue. Qu'est-ce que ça donne si je mets un barbecue? On va prendre celui-là. 650 balles hein, quand même, hein. Dites donc. Attendez, il y a un truc. Il y en a un, il est vert, je crois. Voilà, on va le mettre en vert. Est-ce que je peux faire. Oh! Oh non, j'ai pas les ingrédients. Oh, je suis obligée. Je crois que je suis obligée d'aller à Granite Falls. Hein. Vous me confirmerez ça, mais je crois que je suis quand même obligée d'aller à Granite Falls chercher tous les petits insectes et les petits trucs comme ça. Et ça, c'est relou. Ça, c'est grave, grave relou en vrai. C'est moi ou papa? Il est fâché avec le bain. J'ai l'impression que les trucs ça bug quand c'est lui. Et c'est maman qui va s'occuper du bain parce que maman elle a pas de problème de bain visiblement. 44%, c'est good. Votre fils va dormir tout en étant puant, super. Cette maison elle pue. Je vous jure, j'ai l'impression à chaque fois que je la nettoie, je dénettoie. C'est comme chez moi. Mais comment est-ce possible? Ce que je vais le faire, c'est que là je vais arrêter de le faire utiliser l'établi. Je vais en profiter pour améliorer certains objets de la maison, par exemple. Ça fait monter aussi le bricolage. Genre, typiquement, améliorer, ajouter une chaise supplémentaire. Voilà. Oh, dis donc, ça se bagarre. Et le truc, il est vieux, mais il est chiant. Hein. Allez. Allez, pile du cul. Touk, touk, touk. Yes, papa a fait son amélioration. Rocket est en train de s'enfuir. Bah ouais, le mec, il s'est pris une branlée. Il en a marre.
Je comprends, hein. Dis-donc, mais ma famille va pas des... On l'a besoin de Pascal le grand frère, rien ne va. Dommage, hein. Mais pourquoi papa il va pas se prendre sa douche? Bon, c'est pas grave. Il est 23 h, je ne me pose plus de questions. C'est l'anniversaire de Booba? Dame d'aide, non. Si? Ah, si! Du coup, Pandy, elle est plus vieille. Elle est plus jeune, elle est plus jeune. Parce qu'elle est tombée enceinte. Koda a très faim. Mais quand est-ce que Koda vieillit surtout? Oh, il se débrouille bien tout seul, hein. Je suis vraiment un parent indigne. Ok, t'es revenu à la maison! Super! Ah! Oh, ça y est! Il a vieilli! Ah! Bon, visiblement, c'est une tronche, donc on va le mettre faculté mentale, petit génie. Et qu'est-ce qu'on va se mettre? Alors, c'est un ours, c'est un ours. Je vais le mettre solitaire, hein, parce que. Je peux pas dire qui c'est. Ses parents les trop s'en est trop occupés. On est à 80%. Il y a un truc qui crame là. Ah non, non. Je croyais que c'était mon tabouret, mais non, non. Notre fils qui est aux cieux. Pardon. Je m'égare, je m'égare. Bah t'as des devoirs à faire, tiens, mange. Hein. T'as des devoirs à faire, tiens, mange. Je voulais à la fois qu'il se nourrisse et à la fois qu'il fasse ses devoirs, du coup, tiens, tes devoirs, mange. J'imagine bien la prof. Mais madame, c'est pas ma faute, je les ai mangés mes devoirs. Récolter fruits poubelles. Tout vendre, hein, du coup. Visiblement, il y a quelqu'un qui a oublié de faire les poubelles. Super. Oh, j'ai oublié les grenouilles. Personne ne me dit rien. On est au niveau 9 de la compétence jardinage. Ça, c'est good. Ça, c'est supra good. C'est good, good même. Je vais aller le faire aller, je vais le faire aller ailleurs pour pêcher, pour récupérer des poissons. Bah mange-toi, copain. T'as des cailloux avec ton sandwich. Allez, mange ça et on va partir avec toi pour aller pêcher. On va partir à Oasis Spring. Le petit étang. Allez pêcher. Oh, et on va... Non, attendez, on va faire chercher des grenouilles et aller pêcher. Voilà. Et on a trouvé une hypno-grenouille. Je sais pas du tout si celle-là, notre... Ah, oh, il a vieilli. D'ailleurs, il faut qu'on change la tenue de notre fils. On a un poisson rouge. Je crois qu'on n'avait pas celui-là. Notez, vous avez attrapé un nouveau poisson. Consultez le carnet pour savoir quel type d'appât est efficace. Oh! Un discus! Oh, ça, c'est sûr, on n'a pas. Un goupille! On n'avait pas non plus celui-là. C'est cool! Le jour de fin, c'était horrible! Oh, quel dommage! Je sais, je suis horrible. On va en profiter pour changer le physique de Koda. Il faut qu'on le change en petit ours! Ça y est, il est devenu enfant! Donc, en termes de collection, on en est où? Il nous manque 4 grenouilles. Punaise, on est vraiment, vraiment bien. Il nous manque 4 grenouilles. C'est les poissons, je crois, qu'on pue le caca un peu. On est à 8 sur 22. Les poissons, ça pique de ouf. Hein. Vraiment, vraiment de ouf. Hein. Après, je vais pas peut-être pas compter les suppléments qui ont été rajoutés en plus. Peut-être déjà partir sur les normaux. Et après, on verra. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je suis navrée de ne pas pouvoir faire un live. Mais que cette vidéo aura pu réconforter votre petit cœur blessé. Hein. Moi, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à liker, à commenter. Comme d'habitude, moi je vous aime tous très fort, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Ciao ciao!